Inazuma, tous champions. Hey! Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. En avant. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Champion. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans frère. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout. C'est normal. Hey! Vas-y, cours, et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours, et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours, et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Quelle vitesse! Marc! Oh. But de l'équipe D! Le tir a soulevé le gardien Marc Evans dans les airs. L'équipe D prend l'avantage au score. Et c'est la fin de la première mi-temps. Je vous rappelle que ce match décidera laquelle des deux équipes représentera l'Italie au Mondial. Pour l'instant, l'équipe D mène 1 à 0. Le combat des manchots empereurs. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps. C'est maintenant que va se jouer le sort de la sélection italienne. Jude. Jude Sharp a réussi à esquiver le tacle de Bianco de justesse. Qu'est-ce qui t'arrive, Jude? Je n'arriverai donc jamais à me libérer de la malédiction de Red Arc. Hey Jude, dis-nous ce que tu veux qu'on te fasse. Oui. Encore une passe ratée. Décidément, Jude Sharp n'arrive pas à retrouver son niveau de jeu. Oh, il n'est plus bon à rien. Je me charge du milieu de terrain. Venez, suivez-moi. Non. Faites ce que je vous dis, ne discutez pas. Oui, mais... Caleb Stonewall avance en dribblant ses adversaires. Paolo, David, attaquez en passant par les côtés. Attention, Caleb Stonewall se retrouve seul en attaque. Y aurait-il des divisions dans l'équipe? Mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Parce qu'en changeant de meneur de jeu en plein milieu de l'action, l'équipe ne sait plus où elle en est. Hein? Oh. Espèce de meneur de jeu de pacotille. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non! Strada a subtilisé le ballon à Stonewall avec une facilité déconcertante. Tu oses te moquer de moi? Puisque Jude et Caleb ne sont pas arrivés à l'arrêter, il va falloir que je m'en charge. Tu ne passeras pas! Tu sais qu'avant, j'étais un de tes plus grands fans. Le fameux météore blanc italien, le grand Paolo Bianchi. Comment? Mais plus maintenant. À présent, je suis beaucoup plus fort. Tellement fort que je pourrais me battre contre le monde entier. Oh. Je vous éliminerai et après j'affronterai le reste de la planète! Il a réussi à passer Paolo! Manchot, empereur puissance 10. Un, trois, de la colère. Oh, Marc, tiens bon, Marc. Ah, je vais vous montrer que je peux l'arrêter. Nouveau point explosif. C'est incroyable! Marc Evans a lancé sa super technique contre le sol. Mais a-t-il pour autant réussi à arrêter le ballon? Oui, il l'a arrêté! Bien joué. Il a utilisé son corps pour faire barrage au redoutable manchot empereur puissance 10 de Demonio Strada. Il a arrêté mon tir! Incroyable! Allez les gars, le danger est passé, on peut continuer! Oh Marc! Allez, venez, tous à l'attaque!
Mais que fait-il? Incroyable! Le gardien a décidé de monter lui-même à l'attaque! Capitaine! Paolo, je me doute que l'équipe et toi allez rencontrer toutes sortes de problèmes. Mais tu dois te rappeler que ces épreuves sont là pour te rendre plus fort et te permettre de faire des progrès. Paolo Bianchi, si tu es bien le footballeur que je crois, je sais que tu seras capable de surmonter toutes les épreuves, même les plus difficiles. Tout ira bien tant que tu auras tes coéquipiers auprès de toi. Je me demande bien ce qui me fait si peur. Oui, la voilà, la voie que je dois suivre. Ça va, Jude? Hein? Viens, David, allons et démarre! Ouais! Angelo, Dante, restez bien dans votre couloir! Anton et Marco, restez à l'arrière! Les autres, à l'attaque! Oui! Toi, Paolo, va aider Marc, d'accord? Ouais, ça marche! Marc, en avant! Ok! Paolo Bianchi et Marc Evans partent ensemble à l'attaque, mais la ligne de défense de l'équipe adverse est prête à les arrêter! Marc, passe le ballon à Paolo! Quand tu veux! À toi de jouer, Paolo! Je l'ai! Quel dribble incroyable! Paolo Bianchi a réussi à se débarrasser de quatre défenseurs en un clin d'œil! On dirait un véritable météore! Ils se sont enfin réveillés! Ils en auront mis du temps! Paolo, passe-moi le ballon! Attrape, Caleb! Paolo! L'équipe d'Orphée réussit sans problème à prendre le dessus sur la défense adverse! On dirait que leur jeu d'équipe commence à fonctionner! Je vois, c'est donc ça la force de ce joueur, Marc Evans. Arrête de t'y croire, footballeur du dimanche. Hein? Oh, Marc, attrape! Je l'ai! Marc Evans et Paolo Bianchi parviennent à prendre Demonio Strada de vitesse. Les attaquants d'Orphée vont bientôt pouvoir se mesurer aux gardiens de l'équipe D. Venez, je vous attends. Paolo! Il passe directement à Paolo Bianchi. Va-t-il arriver à marquer? Superbe tête de Bianchi. Malheureusement, le tir n'est pas cadré. Moi, tu as pris à viser. Tu vas voir. Mais qu'est-ce que... Oh, ce n'était pas un tir. C'était une passe pour Marc Evans. Tête! Explosive! Le jeu combiné entre Evans et Bianchi a permis à Orphée de marquer le but de l'égalisation. Le score est maintenant de 1 partout. Ouais! On a réussi, Paolo! Ouais! Ils y sont arrivés! Bien joué, Marc. Le match reprend avec une remise en jeu de l'équipe D qui vient d'encaisser un but d'égalisation. Bon, on va reprendre les choses en main. Violetto! Hein? Mais que fait-il? Demonio Strada est comme paralysé! Mais que lui arrive-t-il? Démonio! Où est le ballon? Démonio! Quoi? Tu ne peux plus voir? Je comprends, tu es en train de faire un rejet. Que dites-vous? Un rejet? Oui, exactement. Je t'ai implanté une puce informatique contenant un programme qui aurait dû te permettre de surpasser Jude Sharp. Mais apparemment, tu n'es pas assez doué. Et ton manque de talent, Demonio, t'empêche d'exploiter le programme informatique à 100%. Voilà pourquoi, à présent, tu subis une réaction de rejet. Ah! Je me doutais bien aussi qu'il y avait un truc. Tais-toi, Caleb! Ne vous en faites pas! Je peux continuer à jouer! Bon, ça suffit! Tu ne vois donc pas que cet homme se sert de toi? Il veut que son plan réussisse, c'est tout! Ça m'est complètement égal!
Vous ne savez rien de nous. Vous ne savez pas par quoi on est passé. Faire partie de la sélection nationale. Jouer un mondial. Être les meilleurs joueurs du monde. C'est le rêve de tous ceux qui jouent au football. Et nous aussi, on rêvait un jour d'y parvenir. Mais voilà, les rêves ne se réalisent pas toujours. Et seule une poignée de joueurs sont choisis pour aller au mondial. On en était tout à fait conscients. Mais alors que tout espoir avait disparu, le commandant est venu nous voir et nous a dit... Dites-moi, les jeunes, est-ce que ça vous intéresserait d'être plus fort? Le commandant a fait de ce rêve une réalité. Il nous a donné la force pour jouer le mondial. Et pour cette force, je suis prêt à payer le prix. J'irai même jusqu'à endurer 1000 souffrances s'il le faut. Je suis le joueur définitif. Je suis le plus fort de tous. Grâce à cette force, il n'existe aucun joueur capable de me battre. Hein? Ouais, on connaît le refrain sur la force et tout ça. Nous aussi, à une époque, on essayait par tous les moyens d'être plus fort. Bon, allons-y, Caleb. Faisons-le. Hein, quoi? Tu parles de... Maintenant, tu en es sûr? On n'a pas d'autre solution si on veut faire échouer les plans de Red Ark. Mais tu sais que ce n'est pas encore au point. Tu crois que ça va marcher? Oui, j'en suis sûr. Oh. Et tu sais pourquoi? Parce que nous, on n'est pas les marionnettes ou les créatures de Red Ark. C'est pas faux. Et puis, si on y arrive, ça lui donnera une bonne leçon à l'autre escroc. Ça y est, le match reprend avec une touche pour Orphée. Bon, on y va, Caleb. J'allais te demander ce que tu attendais. Mais qu'est-ce qu'ils font? Jude Sharp et Caleb Stonewall avancent à toute vitesse. Maintenant Jude Sharp envoie le ballon loin devant. Sharp et Stonewall frappent le ballon dans un tir combiné. Malheureusement, le ballon dévie de sa trajectoire et s'éloigne du but adverse. Ah, c'était pas loin. C'était quoi ça? On n'a pas réussi. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Jude, Caleb! Mais d'où elle sort cette frappe? Vous savez... Oui, David. Mais... Dès que l'entraînement sera terminé, viens me voir. Quoi? Caleb et moi, on s'est entraînés ensemble. Mais, comme tu peux le voir, notre technique n'est pas encore au point. Ouais, mais si elle l'était, à l'heure qu'il est, Red Ark l'aurait mauvaise. Je n'aurais jamais imaginé que vous puissiez vous associer. Pardonne-moi, Caleb. Oh, hein? Je suis désolé, j'avoue que je me suis toujours méfié de toi. Je pensais qu'un jour tu nous trahirais. Mais plus jamais je ne douterai de toi, c'est promis. Laissez-moi vous aider avec cette frappe, d'accord? Oh. Les gars, je vous garantis qu'à nous trois, on va réussir à maîtriser cette super technique. Oh, David. Ça marche. Dégagement du gardien de l'équipe D. Le match repart de plus belle. Leur technique n'est pas encore au point. Alors la seule solution que je vois, c'est d'utiliser la mienne. L'épée d'Odin. Paolo! Hein? On a mis au point quelque chose. Tu veux bien nous laisser essayer? D'accord, David. Encore une fois, Demoniostrada marque Paolo Blanchi. Ah, je suis parfait! Je suis le joueur définitif! Non, ça n'existe pas un joueur parfait. Quoi? Tu te trompes. Bien sûr, tout le monde voudrait jouer à la perfection. C'est justement ce qui nous aide à progresser. Alors que toi, tu te crois déjà parfait, ce qui veut dire que tu as renoncé à faire des progrès. Ah! Je ne veux plus t'entendre, tais-toi! Jamais je ne laisserai votre équipe nous remplacer. Ah! Jude! Jude. Tu crois encore pouvoir me résister? Tu sais pourtant que tu ne peux échapper ni à mon emprise, ni à ton passé. Oui, c'est possible. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer. D'avancer? Mais tu es le même aujourd'hui que lorsque je t'ai fait. Dans ce cas, à partir de maintenant, je chercherai ma propre voie. Allons, reviens avec moi. Ton chemin est tout tracé, Jude. Ton avenir est à mes côtés. Non, c'est faux. Parce que mon avenir...
se joue en ce moment. Avec Mark Evans, notre capitaine, il nous a ouvert la voie vers un avenir qu'on n'osait même pas rêver. Et notre avenir, c'est ce qu'on a toujours souhaité. Jouer tous ensemble dans l'équipe d'Inazuma Japon. Sam Ford, Stonewall et Sharp montent à l'attaque. Mais ils doivent encore affronter Indigo, le gardien de l'équipe D. Vous arrêterez. Je crois savoir ce qu'il manque. Il faut tirer plus haut. Comment? De plus haut? Mais oui, bien sûr. Maintenant que tu le dis, c'est évident. Allons-y. Ouais, ouais. Jusqu'à maintenant, toutes les techniques du Manchot Empereur se faisaient en deux dimensions. Donc si on veut améliorer la super technique, il faut tirer de beaucoup plus haut. Oh, quoi? Et là, on obtiendra un tir en trois dimensions. Manchot Empereur numéro 3! Les démonios! Voilà ma réponse! Le Manchot Empereur, puissance 10! Yeah! Manchot Empereur, puissance 10! Impossible! Oh non, démonio! Ah! Je n'en crois pas mes yeux! Ils ont marqué! Le tir combiné de Char, Stonewall et Sanford a transpercé les cages de l'équipe D! En fait, il était mené 1-0, mais maintenant par 2-1! Mais d'où sortent-ils un tir pareil? Ouais, génial! À tous les trois, vous y êtes arrivés, les gars! Notre technique est achevée. Et moi qui croyais que tu n'étais bon à rien, je me suis trompé. Hein? Ne le taquine pas, Caleb. Remercie-le plutôt. C'est entièrement grâce à lui si on a réussi. Ah, t'es sérieux? Ils ont vaincu ma technique du Manchot Empereur puissance 10. C'est incroyable. C'était quoi ce tir? Hein? Il s'agit d'une super technique que nous seuls l'avons pu créer. C'est la version la plus évoluée du Manchot Empereur. Le Manchot Empereur numéro 3. Ils l'ont encore fait évoluer. Alors, Reda, est-ce que c'est suffisant comme réponse? La deuxième mi-temps est presque terminée. L'équipe D arrivera-t-elle à riposter en aussi peu de temps? Démonio! Mais qu'est-ce que t'as? Qu'arrive-t-il à Démonio Strada? Il n'a pas bougé d'un centimètre! J'ai perdu. Alors que je suis le joueur définitif. Normalement, personne n'aurait dû pouvoir me battre, et pourtant... J'ai perdu contre une technique du Manchot Empereur, plus évoluée. Alors ça veut dire que je ne suis pas parfait. Je ne l'ai jamais été et jamais je ne le serai. Voilà ce qui arrive à ceux qui se croient tout puissants. C'est ainsi. Fragile, ces petites bêtes. Passe-nous le ballon, démonio! Démonio! À quoi tu joues? Ça te ressemble pas de t'avouer vaincu! Je sais, Bianco. Mais si je ne suis pas le joueur définitif, ça veut dire que... Oublie cette histoire. Écoute, démonio. De toute façon, tout ce pouvoir, c'était beaucoup trop pour nous. Violetto! Si on essayait de jouer au foot comme avant, on ne jouait peut-être pas à un niveau aussi élevé, mais au moins on jouait à notre manière. Mais... L'important n'est pas de gagner, mais de se battre de toutes ses forces du mieux qu'on peut. Tu te souviens, c'est toi qui disais ça. Toi, démonio. Mes amis. Jude, Paolo, allez, revenez vite en défense, les gars. Le match n'est pas encore terminé. Ouais, Marc. D'accord. Viens, démonio, à l'attaque. Ouais. En avant, les gars. Ouais. Et c'est le coup de sifflet final. Orphée gagne le match par 2-1 et garde donc le titre de sélection nationale italienne. Paolo. Merci. Vous nous avez rappelé ce qui est important dans le foot, on l'avait oublié. Et puis bonne chance avec la sélection nationale. Quant à notre équipe, ça ne fait que commencer. J'en suis sûr.
Jude. Jude, j'espère qu'on se reverra. Hein? D'accord, Demonio Strada. Oui, Jude. Ça m'étonnerait pas qu'on les retrouve un de ces jours sur le terrain, vu la qualité de leur super technique. Ça y est, on a gagné, les amis. Oui. Capitaine. Marc, merci pour tout. Oh. La prochaine fois, on jouera l'un contre l'autre, l'Italie contre le Japon. Ouais. On se reverra bientôt. Félicitations, vous avez gagné. Orphée devient la sélection nationale. Mais je me demandais, vous autres, les joueurs d'Inazuma Japon, vous ne devriez pas être ailleurs. Comment ça? Comme vous pouvez le voir, le public du stade du chat sauvage qui se trouve sur l'île du Mais c'est Axel, je ne rêve pas. À l'idée d'assister à ce match entre la sélection japonaise, Inazuma Japon, et la sélection argentine, les Empereurs. On attend le coup d'envoi d'un moment à l'autre. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Inazuma Japon va jouer contre les Empereurs. Mais ce match ne devait avoir lieu que demain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui. Encore une manigance de Mr. D. Le jour du match contre l'Argentine a été avancé d'un jour. Arriverons-nous à temps? Rien n'est moins sûr. Rendez-vous au prochain épisode. La forteresse imprenable. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sur nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre. Dans nos cœurs, cette équipe met le feu aux poudres. Ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer. La foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager. On les adore.